Chers internautes, chers amoureux des enseignements du Troisième Testament, nous voici encore au rendez-vous, hein, comme promis la semaine passée, pour dire que nous vous reviendrons pratiquement chaque semaine, au besoin deux fois la semaine, pour essayer de répondre aux différentes questions que nos internautes, à tous ces gens qui s'intéressent à la Troisième Alliance, sont en train de se poser, raison pour laquelle nous sommes de retour. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et une meilleure attention sur ces deux numéros, sur ces deuxièmes numéros, je m'excuse, qui nous continuons avec notre premier thème, notre thème traditionnel, notre thème d'hier, ça veut dire de la semaine passée. Le Troisième Testament est-il authentique ? Deuxième partie. La première partie, si vous vous rappelez bien, on vous a parlé de la raison d'être des alliances, on vous a parlé pourquoi il devait y avoir trois alliances, et on vous a parlé, on a essayé de démanteler avec vous un petit mensonge inséré dans la Bible concernant la fausse nature que la Bible, que la main satanique a infiltrée dans la Bible, donnant à la deuxième alliance une nature parfaite et définitive, fermant ainsi la porte à l'avènement d'un troisième testament ou d'une troisième alliance. Et enfin, si je me rappelle bien, nous avons échangé avec vous sur quelques caractéristiques, hein, qui montrent l'existence et la déchéance d'une alliance de Dieu avec l'homme ou avec l'humanité. Et au deuxième numéro, on a prévu pour vous deux grands points. Le premier, c'est quelles sont les promesses de l'avènement de la troisième alliance dans la Bible et en dehors de la Bible. Est-ce que y a-t-il vraiment promesse de l'avènement d'une troisième alliance ou d'un troisième testament dans la Bible et en dehors de la Bible? Parce que tel que beaucoup de gens sont informés que la Bible n'est pas l'unique livre sacré. Avant la Bible, Dieu parlait avec les hommes. Après la Bible, Dieu continue à parler avec les hommes. Ça veut dire avant Genèse et avant Apocalypse et après Apocalypse, Dieu parle. Est-ce qu'on va essayer de décortiquer avec vous ici quelques éléments qui vont nous démontrer que exactement il y a eu promesse de l'avènement d'un troisième testament dans la Bible et en dehors de la Bible. Mais dans la Bible, vous allez voir avec nous que il faut avoir plus de deux yeux, hein, pour savoir décortiquer ces écritures et arriver à comprendre que ces écritures parlent exactement d'un troisième testament qui était à venir. Et en deuxième point, nous parlerons pourquoi cette troisième alliance ou pourquoi ce troisième testament devait obligatoirement être de racines africano-congolaises. Pourquoi? Donc, on a bien dit dans le premier numéro que voilà, c'était un problème de trois races. Il y avait la race rouge, il y avait la race blanche, il y avait la race noire. Or, la race noire, nous sommes en Afrique. Mais pourquoi elle devait, l'alliance, la troisième bien sûr, être obligatoirement de racines africano-congolaises? Ça veut dire qu'elle devait obligatoirement être une alliance de racines congolaises. C'est sur base de ça qu'on va essayer d'échanger avec vous comme deuxième numéro de notre mission. Et le sujet, nous le rappelons toujours, c'est le troisième testament est-il authentique? Nous sommes au niveau de la deuxième partie aujourd'hui. Pour aller vite,
nous entrons d'abord dans la Bible. On va présenter le preuve ou le promesse de la troisième alliance, A, dans la Bible, et B, en dehors de la Bible. Et dans la Bible, pour aller déjà vite, chers internautes, chers amoureux des enseignements du Troisième Testament, nous tenons à signaler un aspect, c'est lequel, avant de passer directement à la lecture de quelques versets, démontrant qu'il devait avoir un autre évangile, devait venir. Et cet aspect, c'est lequel, c'est tel qu'on l'a montré la semaine passée concernant cette manière stratégique de vouloir cacher l'avènement de la troisième alliance. Vous verrez que même les Écritures, comme Dieu dit, la vérité, on peut l'étouffer, on peut l'enfermer, mais elle peut prendre tout le temps qu'elle peut prendre avant de se manifester, mais elle finit toujours par se manifester, elle finit même submergée, elle finit toujours par prendre le dessus. C'est être connu. Et Dieu étant le plus grand stratège que l'homme n'a jamais... incomparable en aucun homme sage au monde, toutes les tentatives de vouloir tronquer, falsifier, changer les saintes écritures pour pouvoir cacher l'avènement de la troisième alliance, Dieu nous montre au troisième testament que toutes les écritures claires annonçant cette histoire ont été, ou annonçant l'avènement de ce troisième testament, ont été extirpées de la Bible pour désaxer l'humanité par rapport au véritable plan de rédemption. Vu cela, Dieu a réécrit pratiquement le même promesse, mais en des termes très voilés, que l'humanité d'antan ne pouvait pas comprendre que là, nous venons d'effacer le verset parlant de l'avènement d'un troisième testament, mais là, ces mêmes versets parlent encore de la même chose. Il était difficile. C'est aujourd'hui, les gens qui ont travaillé, qui ont falsifié ces écritures, sous impulsion satanique bien sûr, se sont retrouvés plus tard, les livres déjà partis, pour dire « Aïe, 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 ces versets sont vraiment en train de parler de l'avènement du Troisième Testament, bien que ce n'est pas mis à la portée de tous pour comprendre et sonder ces écritures. » Comme promis, nous passons directement à la lecture de quelques versets bibliques. Nous commençons avec, pour être très complet, hein, très rapidement là, avec l'Apocalypse 10, 7. Apocalypse 10, 7, qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous demandons l'attention de nos internautes. Apocalypse 10, 7, là nous utilisons la version Louis II, donc on n'a pas voulu utiliser la version papier pour être un peu plus rapide. L'Apocalypse 10, 7. Mais qu'au jour de la septième voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Là, on ne fait encore aucun commentaire. Vous comprendrez pourquoi on a lu ces versets. Au moins, on met l'attention au moins sur la voix du septième ange. Quand il sonnerait la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il était annoncé à ses serviteurs et à ses prophètes. Nous continuons, nous sommes au niveau de l'Apocalypse 11. Nous reviendrons à ces versets pour bien comprendre pourquoi on l'a retenu. Apocalypse 11. Nous sommes au niveau de l'Apocalypse 11, 15 à 19. Le septième ange sonna de la trompette. Voilà ce que nous sommes en train... L'Apocalypse, pour ceux qui lisent ce livre, c'est pourquoi c'est un livre qui n'est pas beaucoup utilisé dans nos églises dites chrétiennes, parce que voilà, ça parle un peu de choses très voilées, il faut de la profondeur pour entrer dans la profondeur de ces écritures. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs aiment bien de versets qui soulèvent beaucoup plus de sentiments, qui soulèvent beaucoup plus de bruit, pour peut-être prouver que voilà ils ont l'écriture. Mais l'Apocalypse, tel que les débuts même de l'Apocalypse, ça montre principalement de choses à venir. Bien sûr, ça parlait de l'état des lieux des églises d'Asie laissées par Jésus, laissées d'églises d'Asie. Ça parle de beaucoup dès les débuts de choses un peu d'actualité de ce temps-là.
mais principalement l'Apocalypse a annoncé des choses à venir. Vous voyez qu'au premier chapitre, on vous a bien lu qu'au septième, il y a au septième, le septième ange devait sonner la septième trompette et il devait avoir un accomplissement d'un ministère, d'un mystère caché. Et là, nous sommes au niveau de l'Apocalypse 11, 15 à 19. Qu'est-ce que nous lit ici? Le septième ange sonna de la trompette, laquelle trompette qui fut promise. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle de siècles. Ça veut dire, quand ces mystères devaient s'accomplir, au septième ange, à la septième trompette, le voix criait pour dire que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Là, nous interpellons, nous tirons l'attention des gens. Ici, il n'est pas dit de Jésus-Christ. Ici, on parle de Christ qui est le Fils aîné de Dieu, lequel Fils aîné de Dieu s'est manifesté dans le temps. Dans le trois testateurs, dont le Moïse, la première alliance, Jésus, la deuxième alliance, et Mbaï Kazadinkobon, l'envoyé divin. Je crois une des photos derrière vous présente l'image. Ces manifestations-là de ce Christ dont nous sommes en train de parler, ça veut dire il y a manifestation christique. Ça veut dire dès que ces mystères devaient commencer, qui étaient à venir, c'est à travers ces mystères que le royaume du monde devait être donné à Christ ou à Dieu. Or, nous nous rappelons avec vous que même Jésus-Christ a laissé dans une de ses prières, laissée à ses apôtres, nous prenons un extrait pour dire: « Restez prier ainsi, notre Père qui est sûr, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ça veut dire que ton règne vienne. Ça veut dire même tout le mandat de Jésus, physiquement, quand il existait sur la terre, ce n'est pas Dieu qui régnait. Parce qu'il a laissé la prière à quelques mois, à quelques jours de partir, pour qu'il reste en train de prier pour appeler un règne de Dieu sur la terre. Ça veut dire, jusque-là, c'était le règne satanique, bien sûr, qui était prévu, qui était accepté par Dieu. Parce que Dieu le dit au niveau toujours de l'Apocalypse, si vous vous rappelez bien. Dieu dit en s'adressant à la terre que malheur à la terre car Satan est en train de descendre animé d'une grande colère sachant qu'il lui reste peu de temps. Ça veut dire, il y a eu un temps que Dieu avait accepté que le règne satanique puisse d'abord opérer. Là nous sommes en train de descendre, nous sommes au niveau de Daniel 2:44. Daniel 2:44. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce livre? Et puis nous allons revenir vers Apocalypse. Hein. C'est juste pour la meilleure compréhension que nous prenons cette petite courbure. Daniel 2:44, Dieu nous dit quoi? Daniel 2:44. Dans le temps de ce roi, ça veut dire ce roi avec qui, une fois le royaume de Dieu devait être remis à Christ, ça veut dire à Dieu. Ça veut dire les débuts de ces mystères promis devaient être les débuts de la gestion de tous les domaines du monde par le ciel. Ça veut dire Dieu ne viendra pas physiquement comme ça, ni Christ ne viendra pas physiquement comme ça. Il devait opérer à travers deux hommes qu'il devait donner, instruire, former, donner de la puissance spirituelle, donner de la puissance scientifique, donner de la puissance politique pour pouvoir gérer tous les domaines du monde. Et Daniel nous dit quoi? Dans le temps de ce roi, Dieu de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Ce royaume-là, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, ça veut dire les anciens royaumes, ou les anciennes dénominations, et lui-même subsistera éternellement. Ça veut dire, c'est l'accomplissement de ces mystères qui devaient pratiquement se comporter en termes d'alliance n'avait plus une date finale.
Ça veut dire ça devait subsister éternellement. Comme la première alliance avait un mandat, la deuxième alliance avait un mandat, malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, heureusement, la troisième alliance devait subsister éternellement parce que son objectif c'était quoi? Retourner l'homme comme au commencement et faire gérer le monde selon les orientations divines. Et ça devait rester comme ça pour toute l'éternité. C'est pour... nous quittons cette virgule, nous continuons avec nos versets de l'Apocalypse. Nous sommes au niveau de l'Apocalypse 14, 6 et 7. C'est là où les bonnes choses commencent maintenant. Là, c'était pratiquement des introductions pour... de petites introductions pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on va descendre avec cette suite. Apocalypse 14, 6 à 7. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous sommes au niveau du sixième verset. J'ai vu un ange. Ça, c'est Jean qui parle dans l'île de Patmos. Il regarde dans le ciel. J'ai vu un ange, un autre ange, qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. On peut lire même 7, si vous voulez bien. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Là, nous retenons deux grands éléments. Il y a l'heure du jugement et le premier élément dans le verset 6, il y a un évangile éternel qui devait venir. Quand Jean voyait, Dieu lui montrait les choses à venir. Or, au moment où Jean parlait, la première alliance existait déjà. Elle était même déjà déchue. Parce qu'on était déjà au niveau de la deuxième alliance. Et Jésus-Christ était même déjà parti de cette terre. Et ça veut dire que la deuxième alliance était déjà là aussi. Mais on montre Christ apparaît avec la forme de Jésus-Christ pour que Jean puisse bien le reconnaître, parce que c'est ça l'image qu'il connaissait. Christ montre à Jean qu'un autre évangile était en train de venir. Ça veut dire quoi? À part l'évangile de la première alliance, à part l'évangile de la deuxième alliance, un troisième évangile devait venir, et c'est cet évangile-là qui devait déclencher l'ère du jugement dernier. C'est pourquoi on est au septième verset, on dit « Craignez Dieu, car l'heure de son jugement est venue. » C'est grâce à cet évangile qui, au moins cette fois-ci, est annoncé à tout peuple, à toute langue, à toute tribu. Ça veut dire que c'est un évangile éternel, tel que nous venons de dire que ce royaume sera là pour éternellement. C'est un évangile qui est en train de venir, qui devait être annoncé à tout le monde. Et nous vous annonçons ici que cet évangile qui devait venir, qui devait être annoncé à tout le monde, qui devait être annoncé à tout peuple, à toute langue, à toute tribu, il s'agit bien entendu du troisième évangile ou de la troisième alliance ou du troisième testament qui devait venir parfaire le plan de rédemption de l'humanité. Voilà, on peut continuer avec un autre verset toujours au niveau de l'Apocalypse. Nous sommes au niveau de l'Apocalypse 10, 1 à 4. Apocalypse 10, 1 à 4. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds des colonnes de feu. Pratiquement ici, on est en train de montrer à Jean, on dirait, une séquence des anges, mais pratiquement c'était le même ange, mais sous différents angles. Celui-ci a annoncé l'évangile qui devait venir, et au niveau de ces versets, il est en train d'annoncer que lors de la descente de cet évangile, le signe que cet ange amènera de cet évangile, c'est là l'arc-en-ciel. Et c'est pourquoi, au Troisième Testament, Dieu, exactement, le 18 septembre 1936, l'envoyé divin Baïkaza Nkobon nous dit quand il a vu le Christ descendre, l'annonçant venu de Dieu pour conclure avec lui le troisième testament, il lui a montré un signe de l'arc-en-ciel. C'est après lui avoir montré ces signes que la conversation a commencé. Et c'est parti de là. Ça, c'est un signe montrant que voilà, le troisième testament était prévu, qui devait venir, pas pour un mandat, éternellement, c'est un nouveau évangile
à part les deux premiers évangiles. Apocalypse 22, 1 à 2. Nous allons terminer par là, avec des preuves dans la Bible. Apocalypse 22, 1 à 2. Et il me montra un fleuve, toujours Jean, tu continues, d'eau de la vie. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois le fruit, rendant son fruit chaque mois et dont le feuille servait à la guérison de nations. 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et donc là, on est déjà au niveau du troisième verset. On peut se limiter au niveau des deux premiers versets pour dire, voilà, cet évangile qui devait venir est comparable ici à une eau de limpide, une eau de fleuve qui sortirait du trône des dieux pour venir donner vie à l'humanité. Et au niveau du deuxième verset, on nous montre même que ce fleuve, ou bien c'est au bord de ce fleuve où coulait cette eau, il y avait des arbres qui produisaient des fruits chaque mois. 12 fruits. Raison pour laquelle le Troisième Testament, ici, ce n'est que l'image de choses cachées de Dieu. Dieu nous montre ici les 12 fruits. C'était quoi? Si vous suivez les enseignements du Troisième Testament, vous allez voir que Dieu demande aux fidèles du Troisième Testament de suivre 12 lois, 12 injonctions, et lesquelles apporte à l'homme qui se soumet à ces 12 lois et à ces 12 injonctions, qu'on aura le temps de partager plus tard, qui donne lieu à 12 récompenses. Voilà, de manière ramassée, la promesse d'un évangile, à part l'évangile du premier et du deuxième testament, il y a eu effectivement la promesse d'un nouveau évangile éternel qui devait venir, tel que l'Apocalypse 14, 6, 7, et les autres versets de l'Apocalypse que nous venons de lire avec vous. Donc, la promesse de l'évangile de Dieu du Troisième Testament ou de la Troisième Alliance était exactement réelle dans la Bible, mais faite de manière très voilée. Voilà, grosso modo, ce que nous pouvons présenter comme promesse d'un autre évangile ou d'un troisième évangile dans la Bible. En dehors de la Bible, chers internautes, nous faisons course à la montre. On se donne une discipline de vous faire de petits numéros d'un maximum de 30 minutes chacun. En dehors de la Bible, chers internautes, ici nous allons lire avec vous un petit livret, un petit livret qui va nous donner différentes prophéties sur l'avènement d'un troisième testament. Et si vous lisez, par exemple, avant d'ouvrir les livrets, pour ceux qui lisent Michael Ivanov, par exemple, dans son livre « Vie et travail à l'école divine », vous allez voir que Dieu révèle à Michael à Ivanov que le Troisième Testament aura pour mission d'unir toutes les religions en une seule religion solaire. Ça veut dire, il y a quand même une révélation qu'un troisième testament devait venir. Là, nous continuons. Nous sommes dans le livret au niveau de la page 7. On va lire avec vous ensemble. Au niveau de la page 7, c'est pape Jean-Paul II qui parle. Là, nous tirons attention. Le livret est intitulé « Révélation sur la RD Congo ». Et ici, nous sommes au niveau de la page 7, le pape Jean-Paul II nous parle en disant ceci. Nous sommes le 2 mai. Le pape Jean-Paul II est arrivé à Kinshasa à 15h juste. Dans son premier sermon, il déclare « Et maintenant, je me tourne tout simplement vers ce pays, la RD Congo, qui est au cœur de l'Afrique et qui est le premier à m'accueillir. Ce grand pays plein de promesses, que je suis si heureux de visiter. Ces pays appelés par Dieu à des grandes tâches parmi les nations, les tâches qui restent encore difficiles. »
Ça, c'est Jean-Paul II. Il reconnaît que la RDC était un pays appelé à une très grande tâche parmi les nations, par Dieu, mais lequel tâche était encore difficile. Nous sommes en 1980. Tel que nous le disons, le Troisième Testament, le Vatican, Rome, ou le cercle de scribes authentiques, des anciens scribes, je m'excuse, savent très bien que dans les écrits sacrés, les écrits traditionnels, Dieu avait promis clairement l'avènement d'un troisième testament. Mais malheureusement, ils ont élagué, ils ont extirpé toutes les écritures qui parlaient clairement de cet avènement-là, en laissant malheureusement le verset tel que nous l'avons lu en Apocalypse 14, 6 à 7. Connaissant bien cette vérité, il s'amène au Congo en 1980, il annonce cette vérité, mais en des termes voilés. Nous continuons avec, là nous sommes en train de lire une déclaration du président israélien. L'Israël que tout le monde attend que voilà, Jésus viendrait encore de ce coin-là. Mais le président israélien a parlé au président, à l'époque c'était le président Mobutu, nous sommes en 1984, nous sommes à la page 7. 1984, lors de son passage à Kinshasa, le président d'Israël, après avoir remis la Bible au président Mobutu, a déclaré ceci. Ce n'est pas le Troisième Testament qui publie ce livre, c'est un livre d'ailleurs publié par, en 2016 par un pasteur chrétien du nom de pasteur Lambalamba. Ça a été préfacé par un docteur et théologien expert en histoire ecclésiastique. Lors de son passage à Kinshasa, le président israélien d'Israël, après avoir remis la Bible au président Mobutu, a déclaré ceci. Monsieur le président, toute l'histoire de mon peuple se trouve dans ce livre. Mais il y a des passages précis qui concernent votre pays et votre peuple. Lisez attentivement, monsieur le président. Le Zaïre est le cœur de l'Afrique. Par où la lumière d'espoir partira, par où la lumière d'espoir partira vers d'autres nations. Et la lecture qu'on fera d'Israël dans un avenir proche se fera partir du Congo. Voilà comme deuxième promesse qui va dans le même ordre d'idée que du Congo devait venir une nouvelle lumière qui devait sortir pour aller éclairer maintenant les autres nations. Nous courons très vite en prenant un autre prophète non africain toujours, un troisième et un dernier. Nous sommes à la page 10 du même livre. Et là, nous prenons, c'est un Américain, je crois, Gary D. Mark. Nous sommes en 1948. C'est un activiste américain. Il dort, il voit, c'est pas il dormait, mais il a vu une vision. On lit très attentivement cette vision. En 1948, au mois de juillet, je voyais dans une vision un aigle noir. Très noir, sortir du Congo belge avec à son bec 5 enveloppes blanches. Ça veut dire le message que c'est l'aigle représentait, le messager sûrement. Bon, on va interpréter plus tard. Je le vois déposer une première, ça veut dire les 5 enveloppes, une première enveloppe au Congo même d'où il sortait, puis la seconde en Europe, la troisième en Amérique, la quatrième en Asie et la cinquième en Océanie. J'étais intrigué en voyant cet oiseau immense et d'une couleur noire sans une seule tache blanche. Après quelques minutes, dans la même vision, je le vois revenir d'Asie, traversant l'Afrique du Maroc en Afrique du Sud. En méditant et en priant, le Seigneur va me dire avec précision que le Congo est chargé d'une mission et d'un message. Pour le monde, le Congo est chargé d'une mission et d'un message pour le monde. Je ne vous dirai pas lequel, mais dans une vingtaine d'années, vous le saurez. C'est en 1948, c'est un Américain, Gary D. Mark, qui voit une vision, telle que nous venons de le décrire, que le Congo était chargé d'une mission, d'un grand message qu'il devait apporter au monde. Et nous vous annonçons aujourd'hui que ce message-là, c'était le Troisième Testament. Nous prenons deux auteurs africains, c'est par là que nous allons clôturer, pour prouver toujours qu'un grand message, une grande lumière, qui ne devait pas sortir ni de la Première Alliance, ni de la Deuxième Alliance, ça veut dire qui ne devait pas sortir de la Bible, mais qui devait être un nouveau message, devait venir du Congo vers l'humanité.
Nous sommes à la page 10 toujours. Là, nous lisons le prophète Simon Kimbangu. À la page 10, nous sommes en 1944. En ce moment, si j'ai bonne mémoire, Simon Kimbangu emprisonné. Il dit ceci. Dieu vous enverra un messager différent de premier. Un enseignant viendra sans être poussé par aucune autre force, sinon celle de Dieu. Il ne dit pas lui, il annonce juste que Dieu devait envoyer un autre grand prophète qui viendra juste après lui. Sans être poussé par une force de quelqu'un, mais si ce n'est celle de Dieu. Il sortira d'ici que nous attendons tous pour préparer le peuple avant le retour du roi. Il sera combattu par les générations de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant qui préparera le peuple Congo, sans cet enseignant, Kimbangu se posait la question, sans cet enseignant, impossible. Personne n'arrivera à préparer le peuple Congo, car le retour du roi sera très meurtrier et sans pitié. Donc ici, une fois de plus, un des auteurs africains, on vient de démontrer que un autre messager devait venir pour écrire un très grand livre, que d'ailleurs nous prenons le soin de vous présenter. À travers nos différents numéros à venir, vous verrez exactement ce qu'est ce livre et qu'est-ce qui est écrit vraiment dans ce livre. Tel que Simon Kimbangu est en train de se poser la question, sans ce livre, qui préparera encore le peuple Congo? Il y a beaucoup de choses que le Congo, l'Africain, doit savoir et que pour lesquelles Simon Kimbangu n'était qu'un précurseur pour annoncer la venue de ce grand roi, de cet envoyé divin, afin de libérer l'Afrique avec les écrits contenus dans ce livre. On aura exactement tout le temps de revenir pour essayer de bavarder sur ça. Voilà, chers internautes, tel qu'on a dit, on respecte notre petit quorum que nous nous sommes fait. C'est de vous faire quelques petits numéros de maximum 30 minutes. Ici, nous venons de vous montrer quelques versets bibliques montrant la promesse ou l'avènement d'un troisième testament, bien que de manière voilée. Et nous venons de vous montrer, en dehors de la Bible, quelques écrivains non africains qui ont parlé exactement qu'un troisième testament devait exister. Et là, nous terminons avec Simon Kimbangu et un dernier message de Simon Kimbangu qui est presque connu de tous, lequel message qui a coûté même son emprisonnement, qui date du 10 septembre 1921, nous paraphrasons. Continuez à lire la Bible, car à travers elle, vous allez découvrir ce qui nous ont apporté ces livres. Il faut qu'un voleur soit attrapé avec ce qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sera écrit des choses cachées pour la race noire et plus spécialement pour le Congo. Voilà, très chers internautes, sur quelles notes nous terminons notre deuxième numéro et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un troisième numéro avec le même sujet mais abordant deux points complémentaires. Toutes les bonnes choses et bonne compréhension, n'hésitez pas de nous écrire en cas de besoin. Il va monter chez les amis.